Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test de Kid Icarus of Myths and Monsters, édité par Nintendo, développé par Nintendo et Toz, et sorti en 91 en Europe et en 92 aux États-Unis, jamais sorti au Japon. Comme vous l'avez vu dans l'intro, l'histoire c'est la déesse qui règne sur le pays des anges, la déesse Palutena, qui a une vision, un rêve, d'une attaque imminente d'une force démoniaque sur le pays des anges. Et donc elle décide d'envoyer Pete, qui est le chef de son armée, qui est le chef de l'armée des anges, son meilleur guerrier angélique, dans un programme d'entraînement intense, c'est dire s'il est bon, pour faire face à l'attaque qui va se produire. Et donc Pete doit trouver dans les trois mondes, on commence le jeu là, dans les trois mondes, il va trouver des trésors cachés. Trois trésors, exactement, il y a trois mondes, donc trois trésors. Donc il doit s'entraîner en fait. Il doit s'entraîner et trouver les trésors pour pouvoir vaincre la menace à venir. Donc vous voyez que Pete, c'est un petit ange comme ça qui peut sauter, tirer des flèches comme ça pour abattre les ennemis, récolter des cœurs. Je vous expliquerai après à quoi servent les cœurs. Et c'est pas de la vie, hein, vous comprenez bien que c'est pas de la vie. Voilà, on peut tuer des ennemis comme ça, etc. Donc là, on peut sauter, et vous voyez qu'on peut sauter et on peut appuyer encore sur saut pour, quand on chute, à amortir un tout petit peu sa chute. Pour utiliser ses ailes pour planer, tout simplement. Hop. Ici, comme ça, hop, voilà. Donc c'est la suite de Kid Icarus sur NES, hein, qui était un des premiers jeux sur NES, il me semble. Enfin, c'était une des premières licences de Nintendo, en tout cas, sur la NES. Donc ici c'est une salle, alors vous savez que dans les niveaux en fait il faudra s'entraîner en allant dans des salles comme ça, où il y aura des ennemis à tuer, comme ici, où il y aura aussi des choses à récupérer, vous le verrez tout au long du jeu. Donc ici on récupère des cœurs, donc les cœurs c'est quoi? C'est la monnaie du jeu, on pourra l'utiliser pour acheter des items, pour se soigner, etc. C'est la monnaie du jeu, donc vous voyez que les petits ennemis ils donnent un cœur, et les gros ennemis peuvent donner un demi-gros cœur qui correspond à 5 petits cœurs, comme là. Là, je suis tombé. Et il y aura aussi certains ennemis qui donneront un cœur entier qui fait un gros cœur entier qui fait 10 cœurs. 10 petits cœurs. Ici, on a une coupe. Donc, pour se restaurer, Pete, il boit du pinard. Ça, c'est les anges, ça. Hein, c'est le sang du Christ, n'est-ce pas? Il boit du pinard. Et donc, vous avez les grandes coupes qui remplissent un carré de barre de vie. Avec la barre de vie, là, elle fait un carré. Après, je pourrais l'upgrader, elle fera un petit peu plus que ça. Là je vais récolter ça. Ça vous voyez c'est une... je me suis fait toucher au passage. Ah bah ça a loupé tiens. En fait la harpe, ça transforme tous les ennemis visibles à l'écran pendant un certain temps assez limité en marteau. Et les marteaux en fait c'est un item. Normalement si je vérifie j'en ai zéro. Ouais j'ai pas de marteau. Les marteaux c'est un item qui va servir à découvrir des secrets. Notamment casser des statues dans lesquelles il peut y avoir des bonus. Bah comme ici tiens. Ici vous avez une statue mais j'ai pas de marteau donc je peux rien faire avec. Ici on va aller là, donc ici c'est la salle au trésor. En fait vous avez des jars comme ça. Et il faut les ouvrir. Donc là j'ai chopé un marteau. Il faut les ouvrir, seulement il y en a une qui est piégée. Dans laquelle il y a une petite bestiole. Et si on l'ouvre si on l'ouvre pas en dernier celle-là, et ben les autres trésors, enfin les autres jars disparaissent. Je crois qu'elle est là-haut. Non, elle était en bas. Donc vous voyez quand ça fait ça, on n'a pas gagné. Si on arrive à ouvrir toutes les jars, ben, on a un bonus. On peut gagner un bonus supplémentaire, un bonus d'armes ou un autre bonus. À la fin, dans le dernier coffre, il y a un bonus. Donc vous remarquez, il y a un truc qui est... Merde, je suis retombé. Il y a un truc qui est assez particulier avec ce niveau, c'est qu'il boucle en horizontal. C'est-à-dire que, un petit peu comme dans Pac-Man, quand on va de gauche à droite, à l'infini, on retombe au même endroit. Là, on va choper une porte, encore une. Et ici, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est le shop. Donc dans le shop on peut acheter différents items. Le marteau, bah c'est le marteau. Je vous montrerai après un marteau. La clé, vous avez remarqué que quand je quitte une salle, elle se referme. Et donc pour pouvoir re-rentrer dans cette salle, par exemple le shop, eh ben il faut acheter une clé. Alors attendez que je dise pas de bêtises. La coupe, bah c'est une coupe qui remplit la barre de vie. Et lui il nous vend aussi une bouteille. La bouteille c'est un petit peu comme la fée qu'on enferme dans une bouteille dans Zelda. Quand on arrive à... ça par exemple, on peut l'avoir, j'ai pas assez de cœur. Quand on arrive à zéro de notre barre de vie, la bouteille elle nous remet un carré et on peut continuer à jouer. Donc ça c'est très utile notamment contre les boss. Vous voyez cette porte là elle est fermée, je peux plus y aller. Donc ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est qu'il faut farmer, il faut faire du farming.
Parce que sinon, on peut. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on finit un niveau, ben, vous allez le voir là, mais normalement, je devrais rien gagner. Alors, je vais vous montrer le marteau, ce que ça fait. On appuie sur Select pour sélectionner le marteau. On appuie sur la touche de coup et ça fait ça. Alors, par contre, ici, ce serait bien si je pouvais y aller, mais je crois que je peux pas y aller. La fin du niveau, elle est là. J'aimerais bien continuer à explorer un petit peu. Notamment, ce qui serait bien, c'est que je farme. Alors, quand on passe en dessous de ses peaux, là, il crache des serpents. C'est le meilleur moyen de farmer, c'est de faire ça. Bon, c'est un peu long, mais pas tant que ça. Vous allez me dire, ouais, tu farmes des cœurs, là. Oui, mais à la fin du niveau, et comptabiliser notre nombre d'ennemis tués sous forme de points de score. Et selon notre score, il y a des paliers. Et donc, je suppose que c'est Zeus, hein, un dieu, nous octroie une upgrade de notre barre de vie. Et dans certaines pièces, on pourra rencontrer donc Zeus. Et pareil, si on n'a pas tué assez d'ennemis, il nous dit « You must train harder », tu dois t'entraîner plus dur, Pete. Et si on s'est entraîné suffisamment dur à son goût, c'est-à-dire si on a tué suffisamment d'ennemis, eh ben, il nous donne une flèche en plus pour notre... C'est dans la... Ici, vous voyez, Strange, j'ai une flèche et il nous augmente notre force. Ce qui fait qu'on tue les ennemis, les gros ennemis, beaucoup plus vite. Et notamment, on fait plus de dégâts sur les boss. Donc l'idée c'est de faire, moi c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de farmer, c'est de faire ça en fait. C'est de rester, 5 minutes, 10 minutes comme ça sous un pot, faire tomber les serpents, les buter à la chaîne. Notamment ça peut être sympa si on veut s'acheter un item, notamment la bouteille qui peut être sympa contre les boss. Ou plus tard on aura le marché noir où il y aura des items un petit peu plus intéressants. Bon, je vais pas faire que ça, je le ferai à plusieurs endroits dans le jeu. Hop, je vais finir le niveau en espérant avoir farmé assez pour qu'il m'augmente ma barre de vie, mais c'est pas sûr du tout. Donc là, vous voyez, il va faire le total de notre score, mais je crois que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Non, on peut faire save ou next, il y a une pile de mémoire dans le jeu et donc on peut sauver notre progression. Ou on fait next et on sauve pas notre progression, ce qui permet de ne pas effacer la progression précédente. Ici, par exemple, c'est un bon endroit pour farmer. Quoique, il n'y a pas assez de recul, mais bon. On peut envisager de farmer dans ce type d'endroit. Et ici, on va aller voir une porte. Alors ici, c'est la salle de la chauve-souris. Alors la salle de chauve-souris, ça permet d'avoir des cœurs facilement, parce qu'il lâche des gros cœurs. Mais à part ça, voilà. Ça pourrait être bien pour farmer si on pouvait rouvrir la porte. Mais comme il faut dépenser 300 cœurs pour acheter un... Hop. Pour acheter un... Comment, une clé, ça vaut pas le coup. Hop. Alors, faut savoir que un monde, ça correspond à 4 stages. 4 stages comme ça, là, des stages de où on se promène. Et un... enfin, 3 stages comme ça, plutôt. Et un stage labyrinthique avec... hop, putain. Ah bah, je suis mort, tiens. Voilà, Pete qui rejoint les... qui est un ange, mais qui rejoint les anges. Voilà, donc là, on a 2 vies par continu. Et on a les continues illimitées, sachant qu'on reprend au monde où on est mort, évidemment. Il y a trois grands mondes, et chaque monde est subdivisé en 4 stages. Dont le dernier qui est une forteresse, si on veut. C'est une forteresse labyrinthique dans laquelle il faudra se promener. Et je vous montrerai ça, bien sûr, quand j'y serai. Ici, c'est une des salles les plus intéressantes, c'est la source chaude. Donc là, on voit pas parce que j'ai plus de vie, mais quand on se baigne là-dedans, ça recharge notre vie, comme nous dit le personnage. Et ça, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Il y en aura dans les forteresses. Il faudra bien savoir où elles sont. Et il faudra bien en user parce que avec les fioles, avec les verres de vin, c'est pas évident de recharger sa barre de vie. Là, la boutique. Alors, je peux rien acheter. Je peux acheter des marteaux, mais j'ai pas envie. Ce qu'il faudrait, c'est que je farme jusqu'à 250 pour avoir la bouteille, ce qui pourrait être utile. Ici, il y a un machin, mais elle est un peu haute. Alors ici on voit un ennemi qu'on avait vu dans Kid Icarus, c'est la mort. La mort qui s'énerve quand elle nous voit. Et ça fait apparaître ces petits bonhommes à la place des ennemis habituels. Et ça sert à rien du tout, à part avoir un gros cœur. Alors ici, la salle au trésor. J'espère que ce coup-ci, je vais pas me foirer. C'est pas évident parce que... Ah bah voilà. Je sais pas si l'ordre est fixé ou s'il change d'une partie à l'autre ou d'une salle à l'autre. Je sais pas du tout. Alors ce qui serait... Ah bah non, j'allais dire ce qui serait bien, c'est que je farme. Mais non, j'ai refermé la porte. Je suis allé déjà au truc. Alors attendez, que j'arrive à vous montrer ça. Vous voyez, tant qu'on entend cette musique là, en fait, vous voyez les ennemis qui volaient jusqu'ici. Et merde. Ils deviennent marteaux. Ils deviennent des marteaux et donc il faut les récolter. Sachant que je vous dis, les marteaux, ce sera utile parce qu'on pourra aussi trouver des portes secrètes qui mèneront soit des salles bonus, une source chaude, des choses comme ça.
Il y en a une à l'entrée du troisième stage de ce monde. Et ici, bon, souvent les statues, c'est tout simplement. Bon, je suis coincé là, je peux rien faire. Alors, il n'y avait pas de forme qui arrive. Les statues, c'est tout simplement de la vie. Ici, je vais en reprendre. C'est une petite coupe de vinasse pour se remettre de la vie. Faudrait que je trouve un coin pour farmer. Ici, c'est pas terrible parce qu'on est sur une plateforme mouvante. Hop, ici, c'est quoi déjà? Alors, ça doit être Zeus. Voilà, il me dit you must train harder. Ça veut dire que je me suis pas assez entraîné. J'ai pas assez farmé. Donc bah là j'ai loupé une upgrade, c'est dommage. Mais bon, je voulais pas non plus faire une partie rien qu'en farmant. Même si je vous dis c'est essentiel dans le... Non, je vais pas l'ouvrir ça parce que c'est juste une coupe. Et j'ai fini le deuxième niveau déjà. On va peut-être s'attarder un petit peu plus sur le troisième. Donc là, pas de bonus. Faire next. On va s'attarder un petit peu plus sur le troisième. Histoire de... Alors ici, je vais mettre le truc. Merde. Et ici, en fait, c'est une salle qui est intéressante. C'est une salle avec une source chaude au bout. Donc ça, c'est une salle cachée, par exemple. Cette salle-là, elle est pas là, normalement. Et ça, on le sait en allant voir dans une autre salle. On la verra peut-être après. C'est une autre salle où il y a un personnage qui nous donne une indication. Alors ici, ça peut être un coin sympa pour farmer. Je vais peut-être farmer un petit peu ici. Pour farmer, en fait, il faut se mettre en dessous du pot pour faire apparaître les serpents. Et ensuite les tuer. Sachant qu'il n'y a pas plus de 4 serpents par sur un même écran. C'est pour ça que des fois vous aurez un pot et puis il n'y aura rien qui tombera du pot. Parce que il y a déjà 2 serpents qui sont affichés en pas très loin en fait. Donc il y a quand même une contrainte de nombre d'ennemis affichables. Tout simplement parce que vous l'avez vu, quand il y a des têtes de mort et tout qui se baladent, ça fait des clignotements. Des clignotements, il y en aura aussi avec les boss, parce que les boss auront des... Parfois, soit ils sont plus grands, soit ils ont des projets. Merde, je fais le con. Ils ont des projectiles assez nombreux et du coup, ça fait des petits ramages et des petits clignotements. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir acheter la bouteille si je tombe sur une boutique. Donc ça, c'est pas mal. Je vais farmer encore un petit peu et pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de la technique du jeu. Je trouve que le jeu est quand même relativement beau pour la Game Boy, hein. On a notamment le sprite de Pit qui est de bonne taille. On a les ennemis, voilà, ils sont pas trop mal représentés. C'est juste, alors certaines salles, notamment toutes les salles où on va et également la forteresse, où il y en a des arrière-plans noirs, donc c'est assez pauvre en arrière-plan. Mais bon, c'est les arrière-plans, c'est pas le propre du Game Boy, hein. Notamment avec la définition assez limitée de la console, on pouvait pas afficher n'importe quoi non plus. Mais le jeu globalement propre, c'est un jeu qui graphiquement tient la route. Hop. Bon, alors je pense que ça devrait être bon là. Je vais aller jusqu'à 350. Et puis comme ça, peut-être que j'aurai une upgrade de ma barre de vie à la fin du niveau. Ça, vous allez me dire, c'est chiant à faire ça, mais c'est un passage obligé parce que notre barre de vie, elle est toute petite et c'est le seul moyen de l'upgrader. Et donc, il faut faire du farming. Sachant que si vous êtes patient, vous farmez énormément en début de jeu. Votre barre de vie, elle va grandir très très vite. Et après, pour aller jusqu'à la fin du jeu, ça va beaucoup mieux. Et ça permet aussi, quand on croise Zeus dans les salles sacrées, c'est d'augmenter sa force, tout simplement. Le farming a plusieurs utilités. Et puis ça permet aussi d'avoir des cœurs pour acheter des trucs. Hop. Alors ça rame un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. On va y remédier. Le personnage se manie très très bien. Là ici, la boutique. Ouais, ça tombe bien. Alors je vais acheter, non pas une clé, mais la bouteille. Je vais acheter la bouteille et je vais peut-être acheter... Je vais acheter des marteaux. J'en ai combien des marteaux? Bah, je vais en racheter un petit peu parce que ça peut servir. Hop. Je vais en racheter encore un et ça devrait aller. Ça sert en fait dans les donjons, il y a beaucoup de statues à péter, dont certaines auront des objets intéressants dedans. Notamment la carte du niveau et le crayon qui indique les salles par lesquelles on est déjà passé. Parce que quand je vous dis labyrinthique, c'est labyrinthique, hein. Les forteresses sont labyrinthiques. Ah, hop, on récolte des cœurs, c'est pas mal. Et ici, par exemple, on voit bien que... On croit voir qu'il y a une porte. On voit deux statues. On se dit, il y a une porte cachée ici. Très mal cachée. Et en fait, pas du tout.
Alors ici, je crois que c'est, la, c'est une salle de Zeus, si je dis pas de bêtises. Non, vous voyez, lui, il nous dit « Look for a hidden door above this challenge room. » Regarde pour une porte cachée au niveau de l'entrée du stage, c'est ce que j'ai fait. C'est lui qui me donne l'indication, sinon je peux pas, bah, je peux pas le deviner. Après, on peut s'amuser à casser toutes les portes qu'on voit, mais enfin. Alors, ici, est-ce que c'est Zeus? Non, ici, c'est la salle bonus. Il était là, la salle précédente, donc je pense pas qu'il soit là. J'aimerais bien quand même choper un item. Même si les items qu'on chope dans cette salle-là... Bah non, perdu. Je sais pas trop à quoi ils servent. Donc, bah écoutez... on va redescendre. Ah, merde, je tombe direct dans la lave. Ça, c'est con. Fais gaffe, ces espèces de pics, là, enfin, de... ces espèces de trucs, là, qui sont au bord des plateformes, ils nous font mal, hein. Si on rentre dedans, ils nous font mal, hein. Hop. Alors... la sortie, elle doit être par là, il doit y avoir deux petites plateformes. Hop là, la mort encore. Je deviens complètement débile. Ça, c'est un truc qui est connu dans Kid Icarus. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Voilà. Ça permet d'avoir un ennemi qui nous donne un cœur entier. Ce qui est pas très courant. Par contre, sa musique, elle s'arrête pas là. Alors, faut tuer le petit bonhomme là. Bizarre que sa musique elle s'arrête pas. Ah si, c'est bon. Alors ici Ah, good to see you Pete. Voilà, quand il me dit ça, ça veut dire qu'il va me donner une flèche. Et voilà, j'ai bien farmé. J'ai upgradé ma puissance de tir. Donc là en fait ma flèche elle fait plus de dégâts tout simplement. Elle va faire plus mal aux ennemis qui se tuent en deux coups. Vous voyez là, je peux tuer deux serpents en une seule fois. Bon, c'est pas très utile parce qu'on les tue à la chaîne, mais faut faire gaffe à eux là. Mais eux, c'est bien. Eux, si on arrive à pas trop se faire toucher, c'est pas mal pour farmer parce qu'ils donnent, ils donnent 5 cœurs d'un coup, ce qui équivaut à quasiment à faire du farming sur les. Par contre, je vais. Attendez. Je vais attendre que les serpents se barrent en dessous là. Je vais faire ça. Voilà. Récolter un petit peu de vie parce que j'ai peur de crever avant la fin du niveau. Hop. Voilà. Alors, je vous rassure, tous les niveaux du jeu ne bouclent pas en horizontal comme celui-là. Ah, ils se planquent, ils sont chiants. Et là, est-ce qu'il va nous offrir une upgrade de barre de vie? Pas sûr. Si. Je crois que c'est 5000 le premier palier. Regardez, ma barre de vie, elle a doublé. Et là, elle fait 2 carrés. C'est important les carrés parce qu'en fait, plus tard, on aura des armes spéciales. Alors, on est dans le donjon. On aura, j'espère que je vais me paumer. On aura des armes spéciales. Et hop, ici aussi on peut farmer, mais bon. On va plutôt essayer de trouver la sortie, mais dès qu'il y a des pots comme ça, c'est bien pour farmer. On aura des armes spéciales, et les armes spéciales, en gros, elles s'activeront à partir d'un certain nombre de barres de... enfin, d'un certain nombre de cœurs de notre barre de vie qui sont pleins. Alors ici, hop, vous voyez ces ennemis-là, il faut 2 coups pour les tuer. Et quand j'aurai des upgrades d'armes, enfin quand j'aurai une puissance de mon arc plus importante, je pourrai les tuer en beaucoup moins de temps que ça. Alors ici, je récupère la carte. Vous voyez, la carte du niveau. Et si je récupère plus loin dans le niveau le crayon, ça va me permettre de automatiquement se noter les... merde, les pièces où je suis déjà passé. Et là, ce qui serait bien, c'est que je trouve soit une recharge de vie, soit une... hop, je m'en doutais. Voilà, vous voyez, là, ce qui est con, c'est que il m'a utilisé la bouteille. Vous voyez, ma barre de vie, elle est... normalement, je devrais mourir, j'aurais dû mourir, mais il m'a utilisé la bouteille. Donc, c'est con parce que je l'ai plus pour le boss. Sachant qu'il y a des boutiques dans les donjons. Par contre, les articles coûtent plus cher. Et il n'y en a pas dans tous les donjons. Et c'est pas des boutiques, c'est le marché noir, si je dis pas de conneries. Donc là, on va essayer d'avancer un petit peu dans le niveau. C'est labyrinthique, hein, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Faut connaître par cœur. Et en plus, il y a des endroits assez chiants. Parce que dans les donjons, bah ici par exemple, je vais récupérer le crayon. Voilà. Donc normalement là, vous voyez, on voit en gris foncé, c'est les pièces où je suis déjà allé. Alors je vais essayer d'aller en bas là. Voilà, hop, ici ça c'est des salles où il y a ces monstres là qui vont et viennent. Et bon, c'est pas très dangereux, mais il faut bien être sûr de pas être sur leur trajectoire, quoi. Sinon, ça fait ça. Alors, attendez, ici on va récolter de la vie. On va essayer de pas se faire tuer par tous ces ennemis-là. Ah, j'ai plus de... merde, j'ai plus de marteau. Tant pis.
Hop, ici on peut pas y aller, par contre faut aller à l'étage au-dessus par le... Hop, par ici. Ici on va aller là. Je crois. Ah, ici il y a un truc mais j'ai pas de marteau. Je sais plus du tout si on arrive près du boss là. Aucune idée. C'est pas grave. Et des forteresses comme ça, il y en aura 3. En fait, à chaque forteresse, on va avoir un trésor. Et en fait, à la fin du jeu, on va s'apercevoir que le trésor, c'est... Les trésors, c'est des upgrades pour Pete. Donc, à le tout dernier niveau, donc le quatrième monde, on aura... Alors, on est obligé de passer par là. Ah, les vlogs, putain. Alors, attention à eux. Eux, en fait, c'est des magiciens qui nous transforment si ce qui nous lance nous touche, ils nous transforment en aubergine. Ça c'est connu aussi du bestiaire de Kid Icarus. Et quand on est transformé en aubergine, on peut continuer à marcher. Ah bah tiens, voilà la source chaude, ça c'est bien ça. On peut continuer à marcher, on peut utiliser des marteaux, mais on peut plus... Hop, on peut plus... On peut plus utiliser notre arc, et surtout quand on arrive au boss, et bah le boss, on le voit pas. Je sais pas du tout, ah si, on doit pas être loin du boss parce qu'il y a ces statues là. Quand il y a ça, c'est que la salle suivante, normalement c'est le boss. Bon, je suis en train de crever là, comme je suis en train de me faire laminer par ces trucs volants là. Et on va arriver au boss. Alors le boss il est super super long parce qu'il est très résistant. En fait il faut essayer de pas se faire toucher, le bourriner, et en fait il se déplace comme ça d'un endroit du niveau à un autre. Là par exemple je peux me mettre là, bourriner comme ça. Mais normalement il est très long parce que j'aurais dû en fait farmer davantage parce que j'ai que 2 upgrades. En fait il faut se mettre en dessous de lui pour éviter de se faire toucher par ce qui balance. Mais il est très très long. Ça m'étonnerait que je le batte avec la puissance de feu dont je dispose. Parce qu'en fait, lui, si j'ai pas la bouteille, c'est chaud. Alors sachant que au marché noir, on pourra acheter le tonneau. Le tonneau, ça permet d'acheter plusieurs bouteilles. Ça permet de stocker plusieurs bouteilles dedans. Merde. Attention. Ah. Et vous voyez, là, ce qu'il faut faire à lui, c'est qu'il faut le bourriner. Il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on n'est pas assez puissant, donc il faut enchaîner les coups comme ça. En espérant que ça passe. Mais là, ça passera pas parce qu'il est... beaucoup trop résistant pour moi. Et là je suis mort. Comme à mon avis je vais pas aller beaucoup plus loin que ce niveau. Donc ce que je vous dis, j'ai pas fini de parler des magiciens aux aubergines. En fait il faut trouver, pour conjurer le sort, il faut trouver une salle de soins qui est planquée dans le niveau. Et en fait la prêtresse qui s'y trouve nous retransforme en Pete. Et donc parfois ça peut... Alors là il y en avait que deux et puis bon on les voit venir, hein, ils tirent leur truc et après c'est assez lent. Mais il faut faire attention parce que ça peut être assez chiant. Ça c'est vraiment le truc chiant des forteresses, c'est les magiciens qui nous transforment en aubergine. Hop. Voilà, sinon après je vous ai pas parlé des musiques. Les musiques elles sont sympathiques pour les musiques de niveau. Celle-là bon elle est un petit peu plus musique de donjon. La bande son est bien, très sympa, ça colle bien au jeu, ça colle bien à l'univers Kid Icarus, donc voilà, y a pas de problème de ce côté-là. C'est un jeu qui a une réalisation correcte, y a pas de problème. Bonne réalisation, sympathique à jouer. Le seul truc qui est assez difficile hein, quand même, le seul truc qui va pas avec ce jeu, c'est qu'on est obligé de farmer, ça je vous l'ai dit. On est obligé de farmer pour progresser. Je dis même le premier boss, il est super super long à battre. Si on n'a pas, je pense que raisonnablement il faudrait avoir 3 flèches pour espérer le battre. Et encore il vaut mieux avoir la bouteille. Et il faut faire comme j'ai fait, c'est à dire on se planque devant lui et on le bourrine. On va me dire ah tiens t'as des marteaux maintenant. C'est parce que j'ai repris, je reprends avec à l'état où j'étais avant. Où j'étais quand je suis arrivé dans le niveau. Et là si vous voulez, je me demande si je suis pas en train de me paumer parce que je suis pas passé par là tout à l'heure. Ça, je sais plus à quoi ça sert. La torche. Je sais pas. C'est peut-être un truc qui apparaît quand on a la carte, mais comme j'ai pas été la chercher, la carte. Ah, je sais qu'il faut passer par là. De toute façon, ça sert à rien que j'aille au boss. Je vais me faire laminer, donc je vais plutôt fouiller. Ça, c'est du pinard. Oui, c'est du pinard, oui. C'est pas de la grenadine. C'est pas du sang non plus. Alors, très rarement, les ennemis comme là dropperont de la santé, mais très 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 rarement. Alors ici, tiens, la boutique. Vous voyez, ça, je l'ai trouvé, mais je pouvais l'acheter. Je vais prendre ça.
Enfin, je recharge un peu ma barre de vie, mais bon, c'est pas ça qui va faire. Hein. Hop. Oh putain, les aubergines. Je vous ai pas montré parce que c'est chiant. Hop, et je crois que... Oh, c'est très con, ça. J'ai utilisé un marteau alors qu'il y a une source chaude juste derrière. Hop. Attendez, que je dise pas de bêtises, là, on peut rien faire. Merde. Oh là là. Oh, faut pas faire le con. Je bégaye. Faut pas faire l'idiot ici, hein. Hop. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, le jeu, je vous dis, le seul bémol que moi je peux lui trouver, c'est le fait qu'on est obligé de farmer. C'est. Alors, ici, normalement, il y a les lanceurs d'aubergines. Hop. Voilà. Non, faut pas aller là. C'est un bonus. Faut aller en bas. Ouais. Je vais pas essayer de repasser devant eux parce que voilà, ici c'est le boss. Il est assez simple ce premier niveau. Hein. Il est assez simple quand même. Mais hop, je vais essayer. Ah, j'ai pas de marteau, putain. Voilà, je suis foutu. Enfin, je suis foutu. Je vais essayer de me démerder sur le boss, mais à mon avis, c'est mort. Ouais, faut faire ça. Je vais utiliser Autofire, je triche. J'utilise Autofire. Allez, hop. On va voir ce que ça fait. Comme ça, peut-être je pourrais mon. Oh putain, avec l'autofire, ça passe bien. Ah, ça se passe très bien, dis donc. Alors, c'est de la triche, je sais, c'est de la triche. Et comme ça, je peux vous montrer un tout petit bout du niveau suivant. Et on s'arrêtera là. Parce que ça me fait un peu mal au cul de vous montrer un seul niveau, une seule musique. Tout ça, quoi. Je préfère quand même vous montrer un petit peu plus de trucs. Ah, ici, c'est la salle qui était secrète tout à l'heure. Ah, il me saoule, lui. Hop, et en fait eux ils disparaissent quand on prend la source chaude. Ça c'est une salle qui est sympa. Comme ça vous verrez le deuxième monde un petit peu. Et puis on s'arrêtera là. Vous voyez ici typiquement, si on veut farmer c'est là. Je vous dis, ce jeu vous commencez à jouer. Vous mettez, chaque niveau vous faites 5 à 10 minutes de farming. C'est chiant, c'est pas très long. Dans 5-10 minutes on en chope des ennemis hein, quand on fait ça. On fait 5-10 minutes de farming. Et après... À chaque palier, on aura l'upgrade de barre de vie. On aura l'upgrade de. De l'arme dans le niveau suivant, etc. Enfin, je vous ai pas montré la salle où Zeus nous lance un défi. Peut-être qu'on va en trouver une ici. On va voir. Non. Ah, c'est la boutique. Bon, on s'en fout. On va rien acheter parce que j'ai pas assez de sous. J'ai pas assez de cœur. Et ça, c'est un niveau qui ne boucle pas, par exemple. Celui-là, il est typique, tout bête, de gauche à droite. Alors, les trucs, là, qui en bas, qui bougent, c'est dangereux. C'est comme de la lave, faut pas marcher dedans. Ah, ça, je peux pas les dégommer. Hop, une porte. Alors, est-ce que je vais avoir droit à un défi ou pas? Ah, bah tiens, good to see you. Il va augmenter quand même ma force une deuxième fois, ça, c'est bien. Donc c'est un jeu clairement que je vous conseille sur Game Boy, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu sur Game Boy. Ah voilà, ça c'est la salle de défi. Alors là, en fait, il faut dégommer les trucs qu'il nous envoie. Et au bout d'un moment, ça s'arrête et il va nous proposer une arme spéciale. Hop. Comme ça, je vous l'aurais montré. Je vous aurais montré toutes les salles, je pense. Ah, il me fait toucher quand même. Le meilleur moyen, c'est à peu près le meilleur moyen de s'en sortir ici, c'est de faire comme ça. On se fait un peu toucher, mais bon, ça passe quand même. Donc il me dit, ton entraînement est complet, prends une de ces armes spéciales. Donc ça, c'est une flèche qui est accompagnée d'une boule de feu, ça je sais plus ce que c'est. Et ça, c'est un bouclier qui tourne autour de nous, mais ça ne s'active que, par exemple, je vais prendre celui que je connais pas, ça ne s'active que quand on a le nombre de carrés. Voilà, là par exemple, il en faut au moins 3. Donc j'en ai pas 3, donc vous verrez pas ce que ça fait. J'en ai pas 3 parce que même en remplissant ma barre de vie, je peux pas utiliser cette arme. Parce que j'ai que 2 carrés. Ma barre de vie, elle fait que 2 carrés. Pour ça, il faut que j'upgrade suffisamment ma barre de vie. Ah merde. Oh putain. Alors lui. Hop. Alors attendez.
Pourquoi je suis retombé si bas, moi? Bon, c'est pas grave. Hop, on va passer là. Alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, cette porte-là. Peut-être que ça se casse avec un marteau, j'en sais rien. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça doit être un secret. Alors, on est déjà là, on est déjà à la sortie, tiens. Donc là, évidemment, j'ai pas beaucoup de points, donc j'aurais pas... normalement, j'aurais pas d'upgrade de barre de vie. Ah bah si. Ah bah dis donc. Donc ça doit être 4, 5000 ou 9000. J'ai pas noté les paliers. Bon là j'ai pas de... Je peux pas ouvrir ni l'un ni l'autre. Parce que j'ai pas de marteau. Et là par contre j'aimerais bien trouver une salle de source chaude. Parce que je vais crever. Je vais tout simplement crever. Hop. Ici il va me... Ah bah ça c'est la salle du trésor. Dernier essai sur cette salle pour voir si on trouve quelque chose dedans. Ah putain, j'aurais jamais jusqu'au bout hein. Et je vous dis, si ça se trouve, c'est des salles, c'est peut-être pas aléatoire, hein, c'est peut-être chaque salle a son propre ordre, j'en sais rien. Attention, les pieds là, alors les ennemis sont très 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 loufoques dans ce jeu. Ici, on va avoir une info. Alors, le premier snake pot, donc le premier première jarre renfermant des serpents, il y a un... Ah bah, je peux pas passer par là. Il y a une source chaude. Merde. Dessous, donc je vais essayer de la trouver. Ah, sauf que non, je suis con. J'ai pas de marteau. Mais je vais quand même aller voir. Alors le premier, ça devait être celui-là. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est il faut avoir au moins deux marteaux et il faut casser le ici. Et en fait, il y a une porte. Il y a une porte et bah je suis con. Si je veux des marteaux, voilà. Il n'y a qu'à utiliser ça. Il m'en faut moins deux. Alors, un. Bien sûr, ça marche pas quand ça marche pas sur les serpents. Putain, j'en ai qu'un. Ça craint. Bon, enfin, je l'aurai pas, quoi. C'est pas grave. Par contre, eux, pour le farming, c'est pas mal non plus, les pieds, là. Parce qu'ils donnent un gros cœur. Ça, c'est pas mal. Ça donne 10 petits cœurs, je rappelle, le gros cœur. Eh merde, je suis mort. Bon, de toute façon, on va se laisser là, je pense. Donc, sachant que... bah, game over, en plus. On peut faire continue. Et on reprend bah, là où on avait sauvegardé. C'est-à-dire qu'ici, j'avais sauvegardé au deuxième, au monde 1-2. Et du coup, bah, je sauvegarde exactement l'état où j'étais, au monde 1.2. Un truc qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'une fois qu'on a eu les 3 trésors, le dernier niveau, le gameplay change, pas complètement, mais change pas mal. Parce que les upgrades qu'on nous propose, elles permettent notamment de voler, des choses comme ça. Donc, le dernier niveau est sympa et avec un dernier boss très impressionnant. Ça, pour le Game Boy, très impressionnant. Donc ça, je vous laisserai découvrir si vous faites le jeu. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Kid Icarus of Myths and Monsters, la suite de Kid Icarus sur NES, sortie sur Game Boy. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut!